J'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi. Aujourd'hui, il fait très très beau. Moi, j'ai mis la clim parce que c'est très chaud. Et du coup, je suis bien comme ça. Je reviens d'Emmaüs. Et en même temps, je fais des petites courses à Auchan. Je vais faire les deux d'un coup. D'accord? Alors, je vous montre ce que j'ai acheté à Emmaüs puisque je vous ai filmé le tour d'Emmaüs. Après, on m'a demandé d'arrêter de filmer, donc j'ai arrêté de filmer. Et du coup, ben, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé à Emmaüs. Tout d'abord, j'ai trouvé un sari à 4 euros. Une dinguerie. Il fait 10 mètres. Mais il fait 10 mètres. J'ai jamais vu ça. Il est trop beau. Voilà, je vais le laver. Il va aller direct à la machine. Voilà, il est magnifique. Ensuite, vous voyez, sari indien entier, 4 euros. Ensuite, j'ai trouvé ce petit tissu. Alors, pourquoi j'ai payé 1 euro 4 euros le sari. Pourquoi? Parce que j'ai regardé un film qui s'appelle Maudit sur Prime Video, qui est magnifique. C'est une artiste peintre qui est handicapée, qui a des gros problèmes d'handicap et qui malgré tout peint. Elle rencontre quelqu'un et elle se met à peindre chez lui alors qu'elle ne sait pas faire le ménage, elle ne sait rien faire. Hein. Mais franchement, l'histoire est magnifique. Et elle peint des fleurs dans ce style-là. Voilà. Et du coup, je payais ça 1 euro et je me suis dit, ben, pourquoi pas acheter ça? Donc voilà, je l'ai payé. Donc c'est tapisserie 50 par 68 cm pour un tabouret. Pour un tabouret, je ne sais pas si ça sera un tabouret. Mais ça peut, dans le Jura, pourquoi pas, faire un petit truc sympa. Ensuite, j'ai trouvé cette petite robe, une dinguerie, 3 euros. 3 euros cette petite robe, des iguales. Voilà, trop belle. Je vais la laver, bien sûr. Elle est toute neuve. Hein. Elle venait d'arriver parce que moi, j'y vais régulièrement à Emmaüs. Et elle n'y était pas. Elle serait partie vite, hein, je ne vous dis pas. Hein. Voilà. Non, c'est vraiment des iguales parce qu'elle est même marquée là. Ici, des iguales. Regardez. Elle est trop, trop jolie. Voilà, 3 euros. Ensuite, j'ai trouvé enfin mon sommier. Mais il a fallu que je gratte, comme me dit le gars de Auchan. Il me dit, je vous ai reconnu. Ben, Auchan, il m'a dit, je vous ai reconnu, vous avez gratté une latte. J'ai dit, j'en ai gratté deux. Et du coup, je vais aller chercher mon sommier. Mais j'ai l'impression que quand on n'a plus le masque, les gens, ils sont super gentils, quoi. Mais vraiment, hein, et vraiment, il m'a même demandé mon téléphone. J'ai dit, pour refaire. Et j'ai la latte à la maison. Donc, il est vraiment super pour 20 euros, quoi. Et il est tout neuf, regardez. Hop. Voilà, il a été cherché. Il y a juste ça qui manque. Je dis, vous n'allez pas mettre le téléphone sur le truc. Il me dit, non, c'est pour moi, je vais vous en faire quoi? Il était très gentil en plus. Regardez, franchement, voilà. Eh ben, j'ai trouvé mon sommier, il est tout neuf. Il venait d'arriver. Donc, je vais le chercher lundi. Et le clou du spectacle que j'ai trouvé, normalement, j'aurais pas dû. Hein. Regardez, 5 euros. Mais il est tout neuf. Il est tout neuf, tout neuf, tout neuf. Mais il n'est pas comme ça. Il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que je peux mettre ce côté-là. Je peux mettre ce côté. Il est tout neuf. Vous voyez, il y a même l'étiquette. Vous savez, quand on met l'étiquette comme ça dedans, là, il y a encore ça. Et il y a... C'est encore attaché. Vous voyez, vraiment neuf. Il n'y a rien à dire. Hein. Il est impeccable. Alors, je peux le porter comme ça. Et dans le délire, ben, je peux le porter comme ça. Et c'est ça qui m'a plu. Oh, j'ai dit, putain, il est trop beau, 5 euros, il est trop beau. Eh ben, c'est pas parce que j'ai mon âge que je peux pas me mettre des petits trucs sympas comme ça. Hein. Voilà, ben, j'ai trouvé ça trop joli et je me suis dit, et puis sinon, je peux très bien le porter comme ça. Voilà, et quand en été, je le porte comme ça, en hiver, je le porte comme ça. Après, je suis allée à Auchan. Ah oui, puis en fait, ils vous mettent ça dans un petit sac comme ça. Regardez. Comme ça, un petit sac très très sympa, ils vous mettent le tissu dedans, c'est vraiment super. Non, ben, je vais laisser la vidéo comme ça et je vais refaire une petite vidéo. J'espère que ma vidéo vous aura plu, voilà, c'est spécial Emmaüs. Franchement, j'ai trouvé des pépites, je peux vous le dire, des vraies pépites. Pas cher, vraiment super bien. Si vous voulez savoir comment je suis habillée, parce qu'il y en a qui aiment bien savoir comment je suis habillée, je vous montre. Voilà, j'ai une petite combinaison. Je suis très combinaison, moi, ça fait un moment que je l'ai. Hein.
Je suis très combinaison. Sur ce, je vous aime, je vous dis plein de bonnes choses. Namyo Rengekyo, Namyo Rengekyo, Namyo Rengekyo. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis, mettez un petit pouce. Partagez si vous avez envie de partager. Faire connaître Emmaüs à du monde, c'est sympa. Et puis, si ça vous plaît, je referai d'autres vidéos Emmaüs avec grand plaisir. Sachant que là, il n'a pas trop voulu que je filme, mais j'ai eu la chance de pouvoir filmer tout. Prochaine fois, je ferai différemment. Voilà, parce que j'ai pris mon truc de vlog. Et tout de suite, le truc de vlog, ça fait caméra, ça fait machin, ça fait super important. Et j'aurais peut-être pas dû, j'aurais dû prendre un truc tout simple et puis prendre un tout petit machin et puis filmer. Voilà, et pas comme j'ai fait là. Bref, voilà. Sur ce, mettez des petits pouces. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Merci à mes abonnés fidèles depuis des années. Merci à ma communauté et merci à mes nouveaux abonnés parce qu'on est de plus en plus nombreux. C'est un truc de fou. Et merci à vous. Et sur ce, dans la joie et dans la bonne humeur, je vous dis bonne journée.